si vous m'aimez avant le message, à la fin du message, vous n'allez plus m'aimer. C'est bien, je suis parmi des chrétiens, donc... Déjà le titre. La mentalité du disciple, déjà, responsable. La mentalité du disciple responsable. Donc, ce n'est pas un message qui va nous chatouiller les oreilles, qui va nous faire du guili-guili, mais c'est un message pour la transformation. C'est un message pour le changement. Amen. Et Dieu veut nous transformer ce matin. Dieu veut nous changer. Et la question que j'ai, et j'ai beaucoup de questions dans ce message, d'ailleurs, j'ai plein de questions. C'est est-ce que toi tu veux changer? Ou est-ce que tu es satisfait avec ta vie? Ou est-ce que tu veux changer? La mentalité du disciple, et on appuie le bouchon, responsable. Responsable. Alors déjà, la mentalité, bon, ça met un certain poids. Du disciple, alors là, ça. Ok, c'est bon. Un mot un peu plus doux. Oui, responsable. Alors là, tu m'as cassé. Mentalité du disciple responsable. Donc, on va commencer en mettant une toile de fond. Donc, on va être gentil. Vous savez, c'est juste avant une opération. On met soit une anesthésie ou soit on met, vous savez, un petit patch ou un petit coton, vous savez, pour anesthésier, voilà, pour un peu adoucir. Pour pouvoir couper après et enlever tout ce qui n'est pas bon. Donc le premier, pas anesthésiant parce que c'est une vérité, c'est important de savoir ça. Premièrement, psaume 139, tout le monde aime ce psaume. Verset 14, qui dit quoi ? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Alors, quelles sont les créatures merveilleuses ce matin ? Levez la main. Tu es une créature merveilleuse. Et si tu ne le sais pas, avant de sortir de ce lieu, tu vas le savoir. Tu es le rêve de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Dieu t'a pensé. Dieu t'a imaginé et Dieu t'a créé tel que tu es, avec les dons, avec les talents qu'il a mis en toi, pour que tu sois une expression de lui sur la terre. Hello? Donc tout d'abord, nous devons avoir cette assurance que Dieu a fait de chacun de nous des personnes de valeur. Amen. Pour que nous soyons une expression du ciel sur la terre. Les expressions du ciel, levez la main. Alors il y en a qui n'osent pas trop lever la main parce qu'ils disent « Ok, je me rappelle ce que j'ai fait tout à l'heure ». La façon dont j'ai parlé à mon mari, la façon dont j'ai parlé à mes enfants, ce n'était pas vraiment une expression du ciel. Ok, mais potentiellement, potentiellement, la volonté de Dieu, c'est que tu sois une expression du ciel. Que ta vie soit un témoignage, un signe que Dieu est bon et que Dieu est puissant. Et que tu as de la valeur. Et que chaque être humain a de la valeur. Question. Tout le monde est-il d'accord avec cette première affirmation? Donc, en résumé, tu es unique et tu es une personne de grande valeur. Qui est-ce qui est d'accord avec ça? Ok, tu es unique et tu es une personne de grande valeur. Même s'il y a des gens méchants qui t'ont dit le contraire. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Et si Dieu le dit, qui peut aller contre Dieu? On est d'accord. Ensuite, 2 Pierre, et ça c'est un de mes versets préférés,
2 Pierre, chapitre 1, verset 3, qui dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. » Donc non seulement je suis une créature merveilleuse, et en plus, Dieu m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que Dieu a pourvu à toute bonne chose pour que je vive une vie pleine et épanouie. Qui est d'accord avec ça? Dieu, je reformule, je relis d'abord le verset qui est la parole de Dieu qui est dans la Bible. Ok? Qui croit à la Bible? Okay. Ouf. Donc la Bible, la parole de Dieu dit que Dieu m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que ma vie soit un succès. Jésus a payé le prix pour que ma vie soit, pour que j'ai la vie et que j'ai la vie en abondance. Qui est d'accord avec ça? Donc deux vérités, deux réalités. Je suis une créature merveilleuse. Et Dieu a tout fait pour que ma vie soit une réussite. Pour que ma vie soit remplie de toute sa plénitude et de sa présence et de tous ses bienfaits. Et Dieu a fait le plus difficile. Donc là, on va commencer à rentrer. Donc on a fini de passer l'anesthésie. Là, vous êtes prêts pour l'opération? Et Dieu a pourvu au plus difficile. C'était quoi le plus difficile? Le plus difficile, c'était que je devienne enfant de Dieu. Et à cause du péché d'Adam et Ève, j'étais enfant du diable, vous savez ça. Et à cause de cette filiation, je devais aller en enfer avec mes péchés. Mais Dieu. Dieu m'a tellement aimé qu'il a dit, je vais payer le prix pour Jean-Pierre. Je vais payer le prix pour chaque personne qui est dans cette salle. Afin que chaque personne n'ait pas à subir la conséquence de ses péchés. Et la conséquence de ses péchés, c'est non seulement d'avoir une vie dysfonctionnelle sur la terre, une vie complètement pourrie, mais en plus de terminer notre vie en enfer. Donc ça, c'était une super feuille de route. Tous les hommes, après Adam et Ève, devaient aller en enfer. Super. Mais Dieu a changé la chose. Et il a payé un prix élevé. Un prix que moi, je n'aurais pas pu payer. Et il m'a tellement aimé qu'il a envoyé un message fort. Il a dit, ok, je vais souffrir pour toi. Je vais souffrir de cette souffrance que personne ne peut comprendre. Cette souffrance de la croix. Donc rappelez-vous, on l'a fouetté, on a craché sur lui. On a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et pendant des heures et des heures, il a souffert ce sacrifice simplement par amour pour moi. Il a été ensuite en enfer à cause de mon péché. Et il est ressuscité le troisième jour pour me montrer qu'il avait vaincu la mort et que je pouvais maintenant, si je croyais, devenir enfant de Dieu et être réconcilié avec Dieu et ne plus avoir la conséquence de ma vie de péché. Si seulement je crois. Amen. Donc ça, c'est un bon départ. Comment se fait-il que je sois une créature si merveilleuse, que Dieu a pourvu sur la croix que j'ai une vie abondante? Et comment se fait-il qu'il y a un décalage? Ne zappez pas, c'est pas le moment de zapper, ok? Qu'il y a un décalage entre ce que dit la Bible et ma vie. Alors là, j'ai toute votre attention. Comment se fait-il que je sois une créature merveilleuse, dotée de talents, dotée de dons, que je suis fils et fille du Dieu Très-Haut, racheté, lavé par le sang puissant de Jésus,
que je n'ai plus à subir la conséquence de mes péchés. En plus, Dieu me dit qu'il m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que ma vie soit une réussite, pour que je sois la lumière du monde, pour que je sois le sel de la terre. Et comment se fait-il qu'il y ait un tel décalage entre ce que dit la Bible et ma vie ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? La vie que je vis aujourd'hui reflète-t-elle tout ce que Dieu a prévu pour moi ? Question. Je vous dis, il y a beaucoup de questions. Donc que chacun réponde dans son cœur. Okay ? La vie que je vis aujourd'hui reflète-t-elle tout ce que Dieu a prévu pour moi ? C'est-à-dire être tout ce que Dieu a prévu que je sois et avoir tout ce que Dieu a pourvu pour moi. Si ce n'est pas le cas, suis-je au moins dans cette mentalité de disciple ? On en vient au titre. Suis-je dans cette mentalité de disciple ? Suis-je dans ce processus de transformation ? Suis-je sur le chemin étroit, difficile, pour atteindre ce que Dieu veut que je sois ? Et que j'ai ce que Dieu a prévu que j'ai, au moins. Que je devienne cet homme et que je devienne cette femme que Dieu a prévu avant la fondation du monde. Où suis-je sur le large chemin, avec la majorité des gens qui ne savent pas où ils vont, et qui ont choisi la facilité de la vie, se laisser glisser, se laisser emporter par le vent, comme une feuille morte, comme c'est poétique. Porté par les circonstances de la vie, avec cette mentalité de victime. Ouh là là, là tu vas un peu fort, Jean-Pierre. Tu vas un peu fort, parce que si tu savais tout ce que je vis, et tu te permets de me balancer comme ça un dimanche matin, que j'ai une mentalité de victime. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Rappelle-toi, le titre de mon message, c'est avoir une mentalité de disciple responsable. Donc, si aujourd'hui tu as une mentalité de victime, c'est ton choix. Oh là là, arrête, stop. Non, j'ai plus. La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour. J'aime bien cette phrase. La plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. Et la plus grande puissance de l'homme, c'est son choix, son libre arbitre. Je peux choisir de vivre selon le statut d'enfant de Dieu, selon cette vérité que je suis une créature merveilleuse, de le croire et d'agir comme si je le croyais, en ayant cette mentalité de disciple responsable, où je peux choisir d'oublier mon statut d'enfant de Dieu, d'oublier que je suis disciple de Jésus-Christ, d'oublier que je suis un disciple, et qui dit disciple dit discipline, et choisir de me laisser aller par les circonstances, de ne jamais me lever, de ne jamais me battre, de ne jamais désirer le changement, de ne jamais sortir de ma médiocrité, de ne jamais désirer l'excellence, et de conserver cette mentalité de victime. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et ce ne sont pas les circonstances qui vont dicter le résultat de nos vies.
c'est notre mentalité. Ce que je crois de moi, ce que je crois de Dieu, ce que je crois de ma valeur, ce que je crois de la destinée que Dieu a mis dans ma vie, ce que je crois de mes rêves et ce que je désire mettre en application par rapport à ces rêves. Quelle mentalité as-tu ce matin ? As-tu une mentalité d'un disciple responsable ? Et je sais que ça peut être dur, mais là on est en train d'opérer. On fait une opération peut-être à cœur ouvert. Et rappelez-vous la prophétie de Déborah. Tu as un cœur endurci. C'était vraiment la parole de Dieu pour aujourd'hui. Tu as un cœur endurci, mais Dieu va t'opérer ce matin. Tu as un cœur endurci, non pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que tu as tellement pris de coups que tu t'es protégé. Tu as mis des murs autour de ton cœur. Et tu t'es comporté comme une victime, comme quelqu'un qui devait toujours se défendre sur la défensive. Mais tu n'es pas une victime. Tu es un disciple responsable, racheté par le sang précieux de l'agneau, qui a son Dieu qui est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ? Personne. La puissance du choix. Choisir d'avoir cette mentalité d'un disciple responsable. Dites-le, je suis un disciple responsable. Je ne suis pas une victime des circonstances. Je suis un disciple responsable. Et quand je dis à cette montagne de se jeter dans la mer, elle n'a aucun choix que de se jeter dans la mer. Amen. Qu'est-ce que je choisis ce matin ? D'avoir une mentalité de victime qui est conduite par les circonstances ? Ou d'avoir cette mentalité de disciple qui décide de changer les choses. Romains 8, 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, un esprit de victime, si je puis dire, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et écoutez bien, si toutefois nous souffrons avec lui, quoi ? Il faut souffrir ? Ben ouais, justement, là, on est en train de parler de toi. Seigneur, comment ça se fait que ce n'est pas si facile ? Ok, je l'ai dit dans ma parole. Si tu es mon fils, si tu es ma fille, il va y avoir un combat sur terre. Et même peut-être, il va y avoir peut-être de la souffrance. Mais si tu gardes tes yeux fixés sur moi, si tu gardes cette confiance en moi, même dans la souffrance, regarde ce qui va se passer. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Conduit par le Saint-Esprit, suis-je conscient de mon statut d'enfant de Dieu ? Et ai-je mis tout en œuvre dans ma vie, dans mon quotidien, pour vivre pleinement selon ce statut d'enfant de Dieu ? En tant que disciple, ai-je choisi une voie facile ? Non. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, à partir du moment où tu as décidé que tu serais un disciple de Jésus-Christ, tu n'as pas choisi une voie facile. Tu as choisi de marcher sur le chemin étroit. Ça veut dire que tu as choisi de régner dans ta vie. Tu as choisi de prendre les rênes de ta vie
en étant conduit par le Saint-Esprit. Tu as choisi de laisser cette mentalité de victime qui est conduite par les circonstances de la vie. Hello ? Je ne suis pas conduit par les circonstances de la vie. Je ne suis pas conduit par la méchanceté et le dysfonctionnement des gens qui m'entourent. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu, parce que en mon esprit, mon esprit crie « Abba, Père ». Et je reconnais mon statut de fils et de fille du Dieu Très-Haut, qui est sur la terre pour être une expression du ciel, la lumière du monde, le sel de la terre, un outil pour le salut, la délivrance et la guérison. C'est ça ma destinée. Amen. Donc la question, c'est ce que j'ai posé tout à l'heure, pourquoi y a-t-il un tel décalage entre ce que dit Dieu dans sa parole et ce que je vis dans mon quotidien ? J'ai envie de formuler la chose autrement. J'ai envie de dire, qui est responsable de la direction de ma vie ? Qui est responsable de la direction que ma vie a pris jusqu'à présent ? C'est qui le responsable ? Alors je suis suffisamment intelligent pour dire que le responsable de ma vie, peut-être le responsable de mes échecs, ou les responsables du dysfonctionnement de ma vie, je suis suffisamment intelligent pour ne pas dire que c'est Dieu. On est d'accord avec ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois dans la misère. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois dans les problèmes. Ça, on est d'accord avec ça. Donc, je vais continuer à chercher le responsable. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, il y a un responsable tout trouvé. J'aime bien lui taper dessus de temps en temps. Le diable. Donc, c'est le diable qui est responsable de ma vie gâchée, dysfonctionnelle. Est-ce que c'est le diable ? Moi, j'aime bien que ça soit le diable parce que je peux lui en mettre de temps en temps. Okay. Reste là, je t'en mets bien, je t'en mets une. Est-ce que c'est même pas, c'est pas le diable. La Bible dit que Dieu a déjà traité la chose au sujet du diable. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Et il dit dans un autre contexte que si je résiste au diable, qu'est-ce qui va se passer avec cette mentalité de disciple responsable? Si je résiste au diable, il va fuir. Et la Bible dit qu'il va fuir avec terreur, terrorisé. Donc arrêtez de dire le diable m'attaque. Arrête avec cette mentalité de bébé. Ce n'est même pas une mentalité de victime, c'est une mentalité de bébé. Tu as un statut suffisamment grand, suffisamment fort, d'enfant de Dieu, avec l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, de résister au diable et de faire en sorte qu'il fuit loin de toi avec terreur. Donc arrête d'accuser le diable. Ok, donc ce n'est pas Dieu le responsable. C'est pas le diable, mince, ça m'aurait bien arrangé. Je vais remettre quelques beignes ici et là. Ah, j'ai trouvé. C'est mon pasteur. Ou mieux, ce sont mes parents. Si, c'est mes parents. C'est eux qui sont responsables de l'état dans lequel je suis. Pauvre de moi, pauvre petite victime. Ou peut-être que c'est ma femme. C'est pas possible. Je dis ça parce qu'elle est là, c'est tout. Ou mon mari, ou mes enfants. Alors écoutez bien, tu n'es pas responsable du dysfonctionnement des personnes que Dieu a mis dans ta vie.
Tu n'es jamais responsable de ce dysfonctionnement. Mais ces personnes-là ne sont pas responsables de la direction que prend ta vie. Amen. Tu es le seul responsable de la direction que prend ta vie. Si tu n'aimes pas la direction que prend ta vie, change. J'ai dit que c'était une opération. Mais je dis ça parce que je vous aime. Tellement fort. Tellement fort. Que je ne veux pas que vous continuez à tourner autour de la montagne sans savoir quoi faire. Et en étant abusé par les circonstances, en étant abusé par les mensonges du diable, en étant abusé et en passant à côté du plan de Dieu pour toi. Il y a tellement de potentiel en toi. Il y a tellement de rêves en toi. Il y a tellement de talents en toi. Il y a tellement d'attentes de Dieu sur toi, sur ta vie. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur ce qu'il a mis en toi pour apporter le salut, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter le changement dans ce monde. La seule chose que tu as à changer, une seule chose, ta mentalité. Est-ce que je me suis laissé abuser par les circonstances ? Est-ce que je me suis laissé abuser par la souffrance au point d'avoir cette mentalité de victime ? Ce matin, décide de te lever sur tes pieds. Décide de marcher comme un vainqueur, comme une vainqueur, avec la mentalité d'un disciple, d'une disciple responsable, qui va faire en sorte que les choses vont changer. Plus jamais personne n'abusera de moi. Plus aucune circonstance n'abusera de moi. Et peut-être que ça va demander du courage. Je ne dis pas que ça sera facile. Il est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu vont passer par des souffrances. Parfois. Mais le résultat, ça sera qu'il y aura la gloire de Dieu qui sera manifestée. Quel est ton rêve? Quel est ce rêve que tu as mis de côté, que tu as enfoui, que tu as caché? Parce que tu es tellement focalisé sur les problèmes. Tu es tellement focalisé sur les circonstances négatives. Tu es tellement concentré sur ta souffrance que tu oublies ce pourquoi tu es sur terre. Que tu oublies ton rêve, que tu oublies ta destinée, que tu oublies la destination. C'est quoi ton rêve? Quelle est la personne que tu veux être? Quelle est la chose qui te tient à cœur? Quelle est la chose qui te tient tellement à cœur que ça te motive à te lever le matin? Est-ce que tu as perdu cette passion? Est-ce que tu as perdu ce feu? Alors tu peux le ressusciter ce matin. Tu peux le ranimer ce matin. Comment ? En changeant ta mentalité. En ayant une mentalité d'un disciple responsable. Alors, je pourrais m'arrêter là et en vous disant bonne chance, changez. Mais je vais vous donner quelques trucs quand même. OK ? Merci. Afin que vous repartiez avec la foi. Non pas avec la condamnation, ce n'est pas le but de ce message. Et si jamais c'était le cas, je serais vraiment passé à côté de la cible. Mais afin que vous repartiez avec plus que de l'espoir, avec la foi. La foi qui déplace les montagnes.
Premièrement, pour un changement profond, tu dois décider, c'est basique. Tu dois décider de changer aujourd'hui. Est-ce que tu en as marre de ta vie de médiocrité? Si c'est le cas, tu dois décider, ok, je vais changer aujourd'hui. Je décide aujourd'hui que je vais changer. Je décide aujourd'hui qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est le jour du changement. Fini cette mentalité de victime. Fini de me laisser voler ma vie. De me laisser voler ma destinée, de me laisser voler mes rêves. Fini! Et même si les personnes avec qui le Seigneur m'a placé décident de faire n'importe quoi avec leur vie, moi je décide de me lever. Et je décide d'atteindre mon rêve. Amen. Je suis responsable de l'appel que Dieu a mis dans mon cœur, de l'accomplissement de la personne qu'il veut que cette génération voit. Et peu importe les autres, Dieu s'en occupera. Toi, fais ta part. Donc tout ça pour dire que la responsabilité de notre vie est la nôtre. Même la responsabilité de ta situation professionnelle. Si tu n'aimes pas ton travail, ben change. Ah ouais, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Change si tu n'aimes pas ton travail. Pourquoi tu subis quelque chose que tu n'aimes pas? Si tu n'aimes pas le salaire que tu as, forme-toi, retourne à l'école, prends une formation et cesse de dire « c'est la faute de mon patron, c'est la faute du gouvernement ». Non, ce n'est pas la faute du gouvernement. Si c'était la faute du gouvernement, en France, tout le monde serait pauvre. Pourquoi il y en a qui arrivent à faire de l'argent et d'autres pas? Vous m'aimez toujours? C'est vrai que dans certains gouvernements, on peut voir que, quand je pense au Venezuela, ben c'est vrai que le gouvernement a une part de responsabilité dans la vie de ses citoyens. Mais nous sommes enfants de Dieu, les enfants. Vous vous rappelez? Nous sommes une créature merveilleuse. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc nous n'avons aucune excuse pour ne pas réussir dans chaque domaine de notre vie. Et le truc, c'est que d'avoir cette mentalité de disciple, responsable. Si tu n'aimes pas ce que tu as, change. Et Dieu t'a donné la capacité, le potentiel de changer, de travailler, de faire des études. Oh là, j'aurais voulu aller plus loin, mais j'ai déjà dépassé l'heure, non? Juste. Hein. Ok. Donc, je ne vais pas faire le message en deux parties, comme d'habitude. Mais je vais vous inviter à prendre 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23, qui dit « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. » Mais nous faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Hello ? On ne court pas à l'aventure, on court pour un but. Je frappe, non pas comme pour battre en l'air. Vous savez, quand Paul parle de ça, il parle d'un boxeur. Donc on peut faire le champion, je peux dire que je suis champion du monde. Champion du monde de boxe de l'air. Je gagne tous mes combats. Non. Paul, il dit, je frappe pas pour battre l'air. J'ai vraiment un adversaire. Et je suis suffisamment entraîné pour faire mouche à chaque fois. Et pour le dégommer à chaque fois. Donc, il y a de la discipline dans ma vie. Si tu veux être champion dans un domaine, si tu veux remporter un domaine, tu dois te discipliner. Tu dois avoir un plan. Est-ce que j'ai dit plan? Tu dois avoir un plan. Hello? Si tu veux que ta vie soit une réussite, si tu veux que ta vie marche avec une mentalité de disciple responsable, tu dois avoir un plan. Tu dois écrire un plan pour ta vie. Savoir où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, comment tu vas pouvoir te préparer? Si par exemple, je te dis, je t'offre un voyage au mois de décembre, dans un pays étranger, la première chose que tu vas me dire, mais c'est où?
où on va. On va au pôle Nord ou on va à Tahiti. Pour que je sache exactement quoi mettre dans mes valises. Est-ce que je mets des après-ski ou est-ce que je mets mon maillot de bain et mon Bermuda? De la même façon, si tu sais où tu vas, si tu sais pourquoi tu es né sur Terre, quelle est la destination que Dieu a prévue pour toi, donc tu vas savoir comment te préparer. Et tu vas savoir par quelle étape il faut passer. Cette étape de disciple est très importante. Avec ce message, si vous voulez que ce message ait un réel impact dans votre vie et commencer à changer, vous devez commencer à agir. Est-ce que j'ai dit agir ? Agir, ça veut dire qu'en sortant de ce lieu ou même pendant qu'on est en train de chanter, tu dois poser une action. Dire « Ok, je vais poser une action » et qui va montrer que c'est le début de mon changement. Amen. Et peut-être que ton changement ressemble à une montagne que tu dois gravir. Et tu sais comment faire pour gravir une montagne ? Un pas à la fois. Hello ? Un pas à la fois. Tu dois aussi apprendre, lorsque tu te disciplines, lorsque tu poses des actions, à célébrer tes accomplissements. Même Dieu l'a fait, ça. Rappelez-vous, lorsque Dieu a fait la terre en 7 jours, il a dit le premier jour, il a fait le ciel et la terre, etc. Le deuxième jour. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il disait, Dieu ? C'est bon ! Bien ! Donc, tu dois poser des actions dans ta vie, les écrire. Et quand tu les atteins, bien, c'est bon ! Et ça, ça va te donner de l'énergie, du dynamisme pour continuer à agir en tant que disciple, pour continuer à agir avec cette mentalité de disciple, pour continuer à atteindre tes buts, pour continuer à gravir la montagne. Donc place des buts qui sont atteignables. Félicite-toi quand tu as atteint ces buts. Mets-les sur un tableau et barre-les. Dire « Ok, c'est bien ». But suivant, pas suivant, en ayant toujours les yeux fixés sur le sommet, en ayant toujours les yeux fixés sur le but. Amen. Donc après ce message, pose une action, écris une action, écris un plan et vois ta vie qui commence à être enclenchée pour un réel changement durable et profond. Levons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Et le groupe de louanges, vous pouvez venir. Alléluia. Je vais demander aussi à l'équipe de prière de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et je sais que ce message était un peu, voilà, je vous ai un peu secoué. Un peu chamboulé, mais l'objectif, c'est de repartir avec la foi, avec quelque chose que vous pouvez mettre en pratique, de repartir avec un nouveau départ. Donc, je vais vous encourager à venir prier. Peut-être que le fait de venir prier avec l'un des responsables, c'est une action, dire « Ok, Seigneur, j'ai entendu ton cœur. Je sais que tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mais je veux avoir vraiment cette mentalité d'un disciple responsable et me débarrasser de cette mentalité de victime. Car tu n'as pas fait de moi une victime, tu as fait de moi un disciple. Et je veux être porteur de ta présence, je veux que ma vie compte pour quelque chose et je veux vraiment que moi-même je sois fier du fruit que je porte. Alors venez, approchez-vous, on va prier avec vous.